Dans la vie, est-ce qu'on peut s'engager à vouloir aider tout le monde? Voilà la question que je vous pose. Peut-on aider tout le monde? Pourquoi je vous pose cette question? L'histoire que nous allons voir ensemble est une histoire à tomber des nues, est une histoire où vous embouchez un coin. Terrible, une histoire même, on se poserait la question si elle est vraie. Elle est incroyable au point où, franchement, je vous laisse découvrir ensemble, qu'on puisse analyser ensemble cette histoire qui sera également une leçon de vie pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi. Il s'agit donc de trois personnes qui sont ici dans cette affaire. Quelqu'un qui donc s'est engagé à aider un de ses amis, un de ses très bons amis, l'a tellement aidé au point où il lui a presque tout donné. Il y a également donc la femme de cette personne, donc qui est Martin, qui est impliquée dans cette histoire. Il y a également l'ami, donc trois personnes très intéressantes et qui aider. Comment aider si on se décide à aider? Et est-ce qu'on peut aider tout le monde? On y va. Shalom, vos très chers messieurs Martin, vous allez bien, j'espère. Shalom frère, je vais très bien, merci. On est très content de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes monsieur Martin, vous êtes âgé d'une bonne trentaine d'années et aujourd'hui vous êtes sur notre plateau avec votre charmante épouse. Madame, vous allez bien, j'espère. Oui, je vais très bien. Shalom à vous. Shalom. Alors, monsieur Martin, je reviens à vous. Dites-nous, vous êtes chrétien depuis combien de temps? Alors, je suis chrétien depuis mon enfance. Madame, vous, pareillement, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétienne. Ça fait maintenant 6 ans que je suis chrétienne. Et c'est même dans la foi en Christ que j'ai rencontré mon mari, monsieur Notez bien Martin. que les deux sont D'accord. Et chrétiens. comment est-ce que vous l'avez Elle rencontré? également, elle s'est dit chrétienne. Il faut dire que Martin étant un chrétien engagé, il était presque dans toutes les activités de l'église. Et il m'a demandé est-ce que je suis prête à me marier. Je dis oui, déjà que je suis déjà en âge, j'ai déjà dépassé 20 ans, donc je me dis que je suis prête à me marier. Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer et sur le plateau et justement sur la chaise en face? Je suis ici pour demander une aide à un frère, un ami d'enfance, Joseph, justement. D'accord. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a exactement et pourquoi le convoquer sur un plateau? Alors, Joseph, c'est un ami d'enfance. Un Je l'ai, ami. on a gardé de très bonnes relations. Jusqu'à ce que 3 années plus tard, je décroche une bourse. Donc, j'étais allé étudier en France. Et suite à mon brillant parcours scolaire, donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et pendant ce temps, j'étais toujours en contact avec lui. Voilà, je prenais de ses nouvelles. Et quand ça n'allait pas de son côté, voilà, je lui venais en aide comme je pouvais. Il Mais lui venait après, à un en moment aide. donné, ça ne suffisait pas vraiment parce qu'il rencontrait certaines difficultés financières et il avait aussi des charges au niveau de sa famille. Je me suis dit, c'est un frère, voilà, c'est un ami, mais pour moi, il devenait comme un membre de ma famille. Donc, il fallait lui donner un coup de main. Donc, j'ai décidé de le faire venir en France. Alors, il y a une chose ici, donc Martin a un ami qui, pour lui, pour Martin, c'est au moins un bon ami. Alors, il faut essayer de comprendre, est-ce que pour cet ami, Martin compte autant pour lui? Autre chose est que Martin se décide donc à aider son ami, non plus à distance, depuis la Côte d'Ivoire, où ils sont, si je ne m'abuse, mais maintenant le faire carrément venir en Europe, où lui, c'est bien sûr, comme il explique, a bien réussi. Donc, il veut vraiment aller jusqu'à aider son ami au point où de le sortir complètement de la galère. Écoutons. Chose qui m'a d'ailleurs été déconseillée par certains de mes amis, parce qu'ils se disaient que, bon, voilà, une fois arrivé sur place, il n'allait pas peut-être être reconnaissant, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont fait et qui ont été remerciés en monnaie de singe. Il est arrivé en France. Quand il est arrivé, on a vécu ensemble pendant 2 bonnes années. Les choses allaient bien. Deux J'ai pris années, une inscription pour lui, une pour qu'il suive une instruction. formation en soudure industrielle. Jusque-là, en tout cas, tout allait bien. Et à un moment donné, il commençait à avoir des désaccords entre nous. Dans ce qui a fait que je lui ai dit, bon, actuellement, tu essaies de t'en sortir quand même. Tu Était as. toujours en formation quand il y avait des problèmes entre vous? C'était vers, en fait, vers la fin de sa formation. Voilà. Et à ce moment-là, il y avait des problèmes entre nous. Et
Au fur et à mesure qu'il avançait, j'étais toujours là à ses côtés et je lui conseillais, je lui prodiguais des conseils. Donc, à un moment donné, puisqu'il était à la fin de sa formation, donc il a pu décrocher un boulot, un contrat. Je lui ai dit, ben, étant donné qu'actuellement, vu l'atmosphère qu'il y a entre nous, ces désaccords, bon, après, il avait quand même, il était en mesure de se prendre en charge. Donc, je lui ai dit que ce serait assez sage, voilà, que je puisse t'aider à prendre un appartement. Mais il n'était pas du tout d'accord. Il n'avait pas apprécié cela. Il est carrément donc à trouver une bonne formation, à s'installer. Carrément 2 ans chez lui. Qui en Europe peut héberger quelqu'un pendant 2 ans? Deux chez toi. Tu es logé, nourri, blanchi. La personne t'a fait venir. Qui? Et en gros, donc lui, il a fait. Donc déjà, ça c'est un gros chapeau. Et à un moment donné, il, bien sûr, au bout de 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans, c'est beaucoup d'héberger quelqu'un pendant 2 bonnes années. Tu es un père de famille, tu as une femme, des enfants, tu héberges la personne pendant 2 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup sans effritement. Donc, au bout de 2 ans, forcément, la relation peut souffrir des effritements. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, il a donc aidé cet ami, donc même à trouver un appartement. Donc, c'est quand même déjà toujours dans un esprit vraiment, il est louable, ce garçon de Martin. Continuons à suivre. Joseph ne voulait pas vraiment quitter. Ne voulait pas vraiment quitter la maison. 2 ans. Il est allé malgré lui. 2 ans, c'est beaucoup. Pendant un moment, les choses vraiment commençaient à... Je connaissais une certaine baisse de mon côté. Parce que Joseph est allé signaler certaines irrégularités au niveau de l'administration fiscale. Donc, ils sont venus, des vérifications ont été faites et j'étais coupable. Donc, mes biens ont été saisis. Mes entreprises ne pouvaient plus fonctionner comme avant. Et j'étais pas en mesure aussi de pouvoir payer mon loyer. Donc, c'était vraiment difficile. La gratitude a commencé. Ouais. Il suffit donc qu'ils lui disent, mais clairement, à un moment donné, débrouille-toi. Carrément, va. Enfin, je veux dire, on ne peut pas rester ensemble toute la vie. Je suis un père de famille. Quand même, bon, à un moment donné, cherche-toi, quoi. Et là, du coup, la délation commence auprès des administrations fiscales. Bon, ça, c'est déjà une première ingratitude. Une première ingratitude. Pourquoi pendant tout ce temps-là qu'il était chez lui, il ne dénonçait pas? Il avait décroché 2 contrats parce qu'il était dans la logistique. Donc, il avait décroché 1 contrat dans la livraison et aussi un autre dans la soudure. Voilà. Donc, les choses allaient bien chez lui et il avait même acheté un appartement. Donc, je me suis dit que c'est un frère. Et étant donné que je suis dans une situation vraiment difficile, situation donc je vais aller difficile vers lui pour lui demander de l'aide. À cause de ce garçon-là, en fait. Joseph m'a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de m'aider. Donc, je suis entré en contact avec le... Pourquoi vous estimez que Joseph doit nécessairement vous aider parce que vous êtes dans le besoin aujourd'hui? D'accord. Comme je venais de le dire tout à l'heure, Joseph est un frère pour moi. C'est vrai que j'ai d'autres personnes... en fait, je connais d'autres personnes qui pouvaient peut-être me venir en aide. Mais je me suis dit, vu ces liens d'affinité que j'ai avec Joseph, vu tout ce qu'on a traversé ensemble... voilà, il peut m'aider. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que lui, pour Martin, Joseph est un très bon ami pour lui? Est-ce que pour Joseph, Martin est un bon ami, un très bon ami pour lui? Donc, est-ce qu'on est au même niveau d'amitié? Ici, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que Martin, il a l'air naïf de se dire Joseph, c'est un bon ami et tout. Alors que Joseph, dans son cœur, certainement, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas. Pas du tout. Écoutons. Cette émission est un canal par lequel on peut passer pour demander de l'aide vu que c'est une émission regardée. Donc, sûrement, en passant à l'émission, les gens pourront écouter notre histoire et pourquoi pas nous soutenir. Mais là, je vois qu'il est en train de parler de Joseph. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il faille que ce soit Joseph qui nous aide. Bon, là, je ne sais pas. C'est sur le coup là que j'apprends qu'il a un souci particulier avec Joseph. Et vous avez un problème avec ça quand on demande une aide à Joseph? Non, mais il aurait dû me prévenir puisque je suis sa femme. Il ne peut pas me prendre au dépourvu comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais
Je pense qu'il aurait pu me prévenir, parce que c'est pas ce qu'il m'a dit en fait. C'est vrai que vous ne lui avez pas dit cela avant qu'elle arrive ici? Oui, je ne lui ai pas parlé de ça parce que je me suis dit... C'est intéressant, écoutons. Qu'en fait, c'est un problème qui me concernait, moi et Joseph. Bon, c'est vrai qu'après, je lui ai demandé de m'accompagner. Parce que pendant tout le moment où Joseph était à la maison, où nous vivions ensemble, ma femme aussi était avec moi. Donc, je me suis dit, ben voilà, que c'était une bonne idée de venir avec elle et de pouvoir demander de l'aide à Joseph. Ah, vous avez dit qu'avec votre épouse, ça allait plus incliner le cœur de Joseph. Justement. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, je me pose la question, est-ce que c'est, Martin n'a pas dit... Je me pose la question, pourquoi Martin n'a pas dit à sa femme? Moi, j'ai une autre réponse. Je me dis, peut-être que Martin n'a pas dit clairement les choses à sa femme pour une raison qu'on va écouter beaucoup plus loin. La réponse va venir tout à l'heure. On reçoit... Vous allez bien, très cher monsieur Joseph? Oui, je vais bien. M'a aidé un moment, puis ça s'arrête là. Ça fait 2 jours qu'on ne se voit pas. Ça s'arrête là. Il m'a aidé un moment et ça s'arrête là. Et quand vous dites qu'il vous a aidé un moment, ça veut dire quoi? Voilà, écoutons. Mais ça veut dire... Incroyable. Il m'est venu en aide. J'ai traversé des moments difficiles un moment et puis... Il a pris sur lui de m'aider. Il a pris sur lui. Et quels sont les rapports entre vous et Joseph aujourd'hui? Incroyable. Et Martin aujourd'hui, monsieur Martin, autant pour moi. Martin, j'avoue que ça fait 2 jours. Il y a longtemps qu'on s'est vu, hein. Vu mes activités et autres, moi, je n'ai pas trop le temps. Donc, je veux dire, il y a longtemps. Est-ce que vous avez des bons rapports, même quand il y a longtemps, est-ce que vous avez des bons rapports entre aujourd'hui? Est-ce que tout va bien entre vous? Ouais, moi, tout va bien. De mon côté, tout va bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais tout va bien. De mon côté, en tout cas. J'ai vraiment besoin de ton aide, s'il te plaît. La vie est bizarre. Martin, je veux venir sur ce plateau. Martin, je ne veux pas t'aider. Point barre. C'est faussé. S'il te plaît, Joseph, excuse-moi. À un moment donné, il y a eu certaines choses dans la maison, des désaccords. Mais tu sais... La langue est très près des dents, mais il arrive qu'on ait la bouche ensanglantée. Il va même jusqu'à s'agenouiller. Tout ce que je veux te demander en ce moment, c'est juste de pouvoir m'aider. Il s'agenouille devant son ami, qu'il considère comme ami. Je suis dans une situation vraiment difficile. Il le considère comme ami. Pense à tout ce qu'on a vécu, mon frère, s'il te plaît. Attends, lève-toi, assois-toi. Va t'asseoir, s'il te plaît. Michel Alman. Je t'en prie, s'il te plaît. Écoute, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Est-ce que je suis obligé de t'aider? J'ai juste... Écoute-moi, est-ce que moi je suis obligé de t'aider? N'a-t-il pas d'autres personnes pour t'aider? L'argent que moi j'ai, ce n'est pas pour aider les gens. Moi j'ai une vision de la vie. J'ai mes entreprises. J'ai mon projet à moi. Qui t'a donné ces entreprises? Mon argent est dilapidé comme cela. Monsieur Martin, essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Non, dis donc. En fait, il dit qu'il a ses entreprises, il ne peut pas aider comme ça. C'est quelqu'un but de lui-même, en fait. Il ne peut pas l'aider comme ça. Alors qu'il a ses entreprises grâce à Martin. Là, il vous demande... Il a ses entreprises grâce à Martin. Bon, en même temps, il n'est pas obligé de l'aider comme il dit. Est-ce que je suis obligé d'aider? En soi, il n'est pas obligé, mais quand même, même sa conscience. Quand quelqu'un t'a fait du bien, n'est-ce pas que tu te sens un petit peu comme... Il y a même la conscience qui va te dire, mais quand même, cette personne, c'est vraiment suivie pour moi. Et je suis devenue ce que je suis grâce à cette personne. Je n'ai même pas besoin de poser cette question en disant, est-ce que je suis obligée d'aider? Il n'a même pas. Parce que tu as quand même une conscience morale qui te dit, ah, cette personne, c'est quand même dépouillé presque pour moi. D'après lui, Joseph, il s'est dit, mais non, lui-même, il a voulu m'aider. Mais attends, toi aussi, tu peux dire, je n'ai pas besoin de ton aide finalement. On a voulu t'aider. Mais tu peux refuser cette aide si jamais tu trouves que c'est la personne qui a voulu. Parce que tu veux ça, tu es simplement ingrat. Écoutons. Ben, par exemple, en me faisant venir en France. En France, carrément. En m'hébergeant. En t'hébergeant 2 ans. Ben, vous voyez, il a eu son argent. Il vous a dit qu'il vous a également payé la formation. La formation. Qui fait de vous aujourd'hui l'entrepreneur que vous êtes. Que vous êtes. Et qui vous permet d'avoir ces entreprises que vous avez. Quelle ingratitude. Voilà, écoute, regardez le matin. Regarde bien. Donc, je suis venu exposer ma vie privée à la télé. Il regarde bien.
Martin, non, tu es venu. En fait, il est incroyable, ce garçon. Joseph, comme il est là, je vais vous en parler. Vous savez quoi? C'est vrai, il m'a aidé. Je vivais chez lui. Mais Martin me traitait comme un vanupier. Ah bon? Comme un torchon. 2 ans parce que tu couchais avec ta femme déjà. Je lavais la terrasse. Hein? Je lavais ses assiettes. Tu peux participer dans une maison, oui. Il m'a aidé, je n'en disconviens pas. Et tu peux participer dans une maison? Il m'a aidé, je n'en disconviens pas. Mais, oui. Il a fait ça de son propre gré. 2 ans, c'est énorme. De son propre gré. À mon tour, il veut m'obliger à l'aider. Il a fait de son propre gré, écoutez-le bien. Martin l'a fait de son propre gré. Incroyable, j'y crois pas. Les gens sont ingrats. Les gens sont ingrats. Changeons, changeons, changeons. On ne peut pas t'aider et que tu sortes des poubelles comme ça de ta bouche. C'est des poubelles. C'est de la poubelle que ce Joseph sort de sa bouche. Il l'a aidé de son quoi? De son propre gré. Si quelqu'un t'aide de ton propre gré, de son propre gré, tu peux aussi dire non. Comme tu m'aides de ton propre gré, je refuse ton aide. Mais tu as quand même accepté son aide. Écoutons. C'est ahurissant. Hé, je suppose obligé de l'aider. Hein? Oui. Ouais, bon, parce que vous avez un problème ouais, particulier contre lui qui vous empêche de l'aider, en fait. Parce que dire que vous lavez des torchons, tout ça et autres, parce que vous le faisiez en tant que frère. Est-ce qu'il y a une raison autre que celle que nous voyons là qui vous empêche de l'aider? Point d'interrogation. Écoutons bien. Vous ne connaissez pas tout. Voilà. Matin, il m'a vidé de chez lui. Et alors? Il m'a chassé. Hein? Il le prenait comme un frère. Et alors, n'importe quoi. Il m'a chassé de deux ans. Deux. Vous savez, il fait deux mois. Nourri, logé, blanchi et donné un repas. Et donné un imaginez travail. Imaginez un peu. Aujourd'hui, franchement, je m'en sors. J'ai mes entreprises. Mes entreprises. Qui c'est qui t'a donné ces entreprises-là? Moi, de l'aider. Vraiment, je suis désolé. Je ne peux pas l'aider. Incroyable. Je ne peux pas. Mais il nous a dit qu'il vous a demandé de partir simplement parce qu'il voulait éviter les histoires. Et c'est lui-même qui vous a même aidé à prendre votre premier appartement. Quand même, appartement. C'est parce qu'il avait assez de moi. Et à, mais attendez. D'après lui, je l'encombrais. Mais attends, il est toqué, lui, là. Non, il m'a chassé. Ah, il a un problème. Matin. Mais c'est la vérité, il dit. Mais attends, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Quand tu dis que je te demandais de faire la vaisselle, oui. La femme est là, c'est elle qui s'occupait de la maison, ta femme. Mais de quoi est-ce que je parle? C'est normal que tu participes dans une maison en Europe? Oui. Et quand je t'ai demandé de partir de la maison, c'est parce que je voulais que tu puisses t'organiser. Tu as oublié quand tu allais sur moi pour une brosse à dents? Tu as oublié à cause de la brosse à dents que j'ai cassée? Mais tu m'as insulté, Martin. Tu as la même écoute, hein? Écoute, de quoi tu parles? Non, écoute, aujourd'hui, je n'ai pas la tête à ça. En fait, je n'ai pas la tête à ça. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes ambitions. Il a ses projets, ses ambitions. Bientôt, je prépare un heureux événement. Hein? Écoutons, ça, bientôt, ça va être intéressant. Un heureux événement. Donc, je ne suis pas là pour dilapider mon agent. Écoutons. Mon agent va dans les endroits où je sais que je peux avoir quelque chose en retour. Tu as décidé de m'aider, je vais te rendre. Mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur moi-même et ma famille. Mm-hmm. Madame. Mais Joseph, je suis ta famille. Tu n'es pas ma famille, hein? Voilà. Donc, pour si j'étais ta famille, tu n'allais pas me chasser. Il t'a amené. Si j'étais ta famille, tu allais me garder à la maison. Ah, si j'étais des ta années. Famille, tu allais aller. Même en France, on ne peut pas le garder pendant Habita et Tarnam. Le frère peut aller se débrouiller. Joseph, je ne t'ai jamais chassé de la maison. Mais même tu as le droit. On était venus pour solliciter l'émission, pour qu'on puisse parler de notre histoire, tout ça, pour que les gens nous viennent en aide. Ce n'était pas pour Joseph. Mais justement, je suis passé par le biais de cette émission-là pour pouvoir lui demander de l'aide. C'est la personne qui peut nous aider. Est-ce que c'est la seule personne? Non, pourquoi toi tu m'empêches? C'est moi, ce que moi je n'arrive pas à comprendre. J'ai dit que ce n'est pas la seule personne. Mais la personne est là. Donc je ne peux pas mon mariage. Écoutons bien. Mon mariage doit être grandiose. Attends, Joseph. Vu la femme. Joseph. Tu te maries et moi je ne suis même pas au courant. Je m'adresse à la même personne. Celui m'a posé la question. S'il te plaît. Donc je disais, mon mariage doit être grandiose. Parce que ma femme, c'est une grande dame, une très belle dame. Et c'est ça, en fait, c'est ça. C'est mon mariage, je ne peux pas. Mais pourquoi vous n'avez pas au moins dit à votre ami que vous vous mariez? Vous ne souhaitez pas aller voir votre mariage? Je te marie, je ne suis même pas au courant. Je ne suis pas obligé de lui dire ce que j'ai fait de ma vie. C'est ça. La vie d'amitié a sens unique. En fait, ce garçon a vraiment profité de ce Martin, en fait. Lui ne le considérait vraiment peut-être pas comme un vrai ami, comme un ami. C'était une connaissance pour Joseph. Martin était une connaissance. Joseph ne le considère pas comme
comme son ami, en fait. C'est une connaissance, mais malgré tout ce qui s'est passé, qu'il prend comme Joseph Martin l'a chassé, etc. Ça, c'est des bobards. Quand véritablement un ami t'aide, tu arrives chez lui, tu participes à la maison, tu carrément 2 ans, c'est même beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et en plus, quand il te demande de partir, il t'aide à trouver un appartement, il te donne un travail, il te donne un logement, il te donne un... Attends, mais c'est quand même beaucoup trop. Ce Martin est tellement humble. Ce Martin est tellement gentil. Ce Martin, il n'y a même pas de nom. Il n'y a même pas de nom. Il a besoin d'aide. Si vraiment quelqu'un peut lui donner du boulot, qu'il aille chercher. Et votre mariage va être grandiose. Très grandiose. Et vous allez vous marier avec une grande dame. Une grande dame. Écoutons. Ah. Écoutons bien. Vous allez en... Oubliant votre vous ami qui vous a soutenu dans la galère. Dans la galère, pas tellement ça. Pas tellement ça, j'étais pas aussi en galère que ça, moi. Hein? Joseph. Attends, on peut pas être ingrat jusqu'à ce point, mon frère. L'ingratitude. Moi, ingrat? Franchement. T'as tête fait baisser ou quoi? Tu as oublié tout ce que j'ai fait, toi? Pourquoi les gens demandent si c'est un film? Quand tu m'appelais de temps à autre pour te venir en aide, tu n'étais pas en galère? Et tu dis pas autant que ça. Écoute, tu as décidé de m'aider. Comme je l'avais dit, tu as décidé de m'aider. Je t'ai pas forcé. Ah, tu pouvais aussi refuser cette aide. Je t'ai pas forcé. Tu pouvais refuser cette aide. Mince. Le salut est personnel. Ah, je t'ai pas forcé. Le salut est personnel. D'où vient le salut? Est-ce que tu m'attends? Incroyable. En plus, tu veux parler. Tu sais qui je veux marier? Tu sais qui je veux épouser? Qui sera ma femme? C'est à toi de me le dire. Ok. Puisque tu m'as jamais parlé de ton mariage. Tiens-toi après. Écoutons. Mince. La beauté qui se trouve ici présente. Le tollé. C'est elle qui sera ma femme. Le tollé. Le tollé. J'y crois pas. Je suis en train de vous faire rire. Attendez. Asseyez-vous. Attendez. J'y crois pas. Attendez, s'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau très sérieux. Et nous vous avons fait venir ici pour que on trouve un point d'accord. Mais de là à nous dire que, en plus de refuser votre ami, de refuser l'aide à votre ami, son épouse sera votre épouse. Son ex-épouse, s'il vous plaît. Mais ils sont venus en tant que monsieur, madame, monsieur, s'il vous plaît. Mais monsieur, madame, quelqu'un qui ne vit plus avec quelqu'un. Madame est là, monsieur est là-bas. Les enfants sont là-bas. Non. Ils ne se voient même plus. Ouais, c'était pas un ami. C'était pas un ami. Cette charmante dame qui est là, dès la première fois qu'il me l'a présentée, c'est vrai, je l'apprécie en même temps. En réalité, comme je vous disais, franchement, ce n'est pas un ami pour Martin. Ce n'était pas un véritable ami. C'était une amitié à sens unique. Et j'en suis certaine, franchement, ces deux-là fricotaient déjà ensemble sous le toit de Martin. Sous le toit conjugal. C'est pour ça que ce garçon était remonté, que Martin lui demande d'aller que Martin lui demande de se prendre un appartement ailleurs. Quand même, on ne peut pas, quand même, au bout de 2 ans, vouloir rester chez quelqu'un, chez ton ami, quand même, à vita aeternam, alors qu'il t'a déjà tout donné. Donc, en fait, c'est parce qu'ils fricotaient ensemble, déjà sous le toit conjugal. Donc, vraiment, honte aux femmes. Honte aux femmes qui font ça. Honte à cette femme-là. Honte à d'autres qui le font. Honte à vous qui faites ce genre de choses. Honte à vous. Et vous devez cesser parce que même Dieu même ne va pas accepter cela à vita aeternam. Vous creusez votre propre tombe. Ce n'est que des personnes insensées qui font de telles abominations. Franchement. Honte. Une vraie honte. Honte. Honte aux femmes qui font cela. Honte aux femmes. Honte à vous. Honte. Écoutons. Écoute, maintenant que nous y sommes, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai? C'est vrai, voilà. Écoutons-la. Moi, j'ai rien entendu. Elle entre en scène. J'ai rien entendu. Elle a rien entendu. Hypocrite. Dis-moi si ce qu'il dit est vrai ou pas. Hypocrite, bien entendu. Tu n'as aucun pouvoir quand tu fais ça. C'est une foutaise. Une foutaise. Rebecca, dis-moi une fois de plus. Est-ce que ce que le monsieur dit est vrai ou pas? Mais c'est attends, je parle, non? Doucement. Non, il peut piquer une crise, ce Martin. C'est normal, à un moment donné. Rasseyez-vous, que vous aimez votre mari et que vous êtes mariée par amour. Écoutons. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Écoutons bien la réponse de madame. Ça, c'était avant. C'était avant. Pourtant, elle est venue avec un autre discours. Effectivement, je prépare mon mariage avec Joseph. Martin, tu sais, moi, je te dis une chose.
Je suis une femme. Tu es une femme. Et alors? Je suis une femme. Et On a des alors? charges. Hein? Et alors? Qui doit prendre tes Les charges? enfants sont là. Hein? Tu ne dois Quand pas tu te m'as prendre en connue, main, toi j'étais aussi? très belle. Une très belle. Avec déjà 3 enfants. Regarde comment je suis Qui devenue. Doit t'entretenir? C'est Je lui qui dois doit t'entretenir? m'entretenir. Tu... Hein? Aujourd'hui, personne n'a de respect pour ma personne. Franchement, tu vas travailler. Je vis chez des gens, je suis obligée de quémander la nourriture. Tu n'as pas les bras? Je ne vais pas demeurer dans ça quand même. Hein? Ça va aller. Je ne vais pas manger, ça va aller. Mais tu dois je travailler. Je ne peux pas manger, ça va aller, sincèrement. Ça va aller, peut pas m'emmener quelque part. Mais où est-ce que vous mettez l'amour que vous dites avoir pour lui? Comme je l'ai dit, je l'aimais. C'est vrai, je l'aimais. Parce qu'il s'occupait aussi de moi. Hein? Mais en fait, on ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche. Et toi, tu ne peux pas travailler. Il faut aussi l'entretien. Et qui doit t'entretenir? Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent pour entretenir ta femme, c'est difficile qu'elle reste avec toi longtemps. Ouh. Et aujourd'hui. Le tollé, je ne sais pas où me mettre, je ne sais pas. Autant je suis contre l'hyperféminisme qui est dehors, qui fait que l'homme est contre, la femme se met contre l'homme à tout va, à tout prix. Autant là, c'est-à-dire que l'homme doit tout faire pour toi, c'est une aberration. C'est une aberration. Donc l'homme doit t'entretenir. Je regarde comment je suis devenue. Donc, moi, je ressemble à une femme de 45 ans parce que tu ne m'entretiens pas. En fait, tu es quoi? Tu es quoi, une fleur qu'on doit venir entretenir jusqu'aux petits ongles? Tu ne peux pas aller travailler? C'est l'homme qui va venir faire tout pour toi. Les femmes, arrêtez ça. Ça, ce n'est pas un modèle. Franchement, arrêtez. Ce n'est pas un modèle. Une femme se doit de travailler. 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 Pour subvenir à ses besoins, travailler pour les besoins du foyer. Il n'y a pas que l'homme. Tu ne vas pas aller t'asseoir, madame, je suis arrivée. Madame, une princesse. Et on doit tout te faire, l'homme doit tout te faire de A à Z. Et tu vas le quitter parce que pour aller avec son ami, hein, parce que pour aller épouser son ami, parce que lui n'a plus de travail. Ça, c'est, j'y crois pas. C'est une aberration. Les femmes, vous qui faites ça là-dehors, vous creusez votre propre tombe. Continuons à écouter. C'est une aberration. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais là, je ne sais pas où me mettre. Franchement. Aujourd'hui, c'est le cas de Martin. Ça fait déjà combien d'années que nous sommes dans cette situation? Les enfants ne vivent pas avec nous. Je suis obligée de vivre chez des gens. Je suis chez une soeur, demain, je suis chez une tante. Non. Ce n'est pas présentable. Non, tu c'est vraiment pas bien. Et moi, je refuse de demeurer dans cette situation. Et Joseph m'a proposé de se mettre avec moi. Pourquoi ne pas accepter? C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un déjà que je connais. Qui s'occupe de toi? C'est vrai que je ne dirais pas que Martin ne le connaît pas, ce n'est pas son ami et autre, mais c'est l'amour. Et en plus du fait qu'il m'aime, il peut prendre soin de moi. Au lieu de demeurer dans cette hémorragie qui peut me créer la mort après. C'est mieux de rompre et puis me mettre avec quelqu'un qui peut s'occuper de moi, qui peut me faire briller pour que je puisse aussi plaire aux gens. Écoutez. Je suis à l'église, je suis dépravée, je suis toujours en train de réfléchir. Je suis une belle dame, je suis une jeune dame. Regardez, on a une femme de 45 ans. Oui, alors. Je ne peux pas accepter ça. Martin, franchement, je ne voulais pas te le dire sur le plateau. J'avais prévu faire une procédure, tout et tout. Les gens sont déjà engagés. Et franchement, désolé que tu la prennes ici. On doit... C'est ça aussi, là. En Afrique, franchement, on dit toujours qu'on doit s'occuper de la femme. Voilà les conséquences. Comme vous qui prenez l'hyper-masculinisation des hommes, qui, les hommes pourvoyeurs de tout. Voilà les conséquences. Tu prends une femme chez toi et elle vient te faire ça. Mais attends, tu peux pas me faire ça, quand même. Non, on ne peut pas. Je peux pas me faire ça. On ne peut pas. L'hyper-paternalisation de l'homme qui se voit à tout. Ça, c'est faux, ce discours. Voilà les conséquences. Tu sais ce que moi j'en dis, toi tu es un homme, moi je suis une femme. Je suis une femme. Je ne vais pas rester en train de tourner toutes les rues d'Abidjan ou les rues de je ne sais où pour te faire plaisir, aller chercher de l'argent pour venir te nourrir. Moi je ne sais pas comment tu as géré tes biens pour que tout ça puisse t'échapper lui, comme quand ça. Il en avait, il pouvait ça, c'est la malédiction. Ça, c'est pas l'amour. Moi, je peux pas. C'est pas l'amour. Je peux pas. Attends, tu oses me dire ça. C'est parce que tu pouvais prendre soin de moi que moi je suis restée auprès de toi jusqu'à ce temps-là. Mais du moment où tu peux plus, par intérêt, moi je peux plus rester avec toi. Voyez, je peux pas. C'était pas un mariage je peux pas. D'amour. Regarde toute cette misère. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas demeurer dans ça. Je peux pas. Heure et quand il y a la situation difficile, c'est ça. Vous ne supportez pas. Vous m'avez dit que vous êtes chrétienne, ça fait 6 ans. C'est ça. Oui, mais même à l'église, on nous dit quand tu n'as pas l'argent, ne prends pas une femme. Parce que la femme, ça s'entretient. C'est dans quelle église qu'on vous dit ça? On nous dit ça toujours. À l'église, avant, on nous dit ça.
On dirait un film. Je comprends Merci les. beaucoup. Pasteur Chumou, on a vu de tout sur cette terre. Point d'accord sera donc le canal où on entend de tout, où on voit de tout. Dame Rebecca dit que dans son église, on lui dit quand tu n'as pas d'argent, ne prends pas ne de femme. Femme. Venue sur ce plateau, elle se plaignait parce qu'elle aurait voulu que film. Ce monsieur Joseph ne soit pas présent. Voilà, c'est ça. On comprend finalement pourquoi est-ce qu'elle défendait Mordicus, que monsieur Joseph ne devait pas être sur le plateau. Votre point de vue, ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Incroyable. Et c'est maintenant. C'est incroyable cette histoire, c'est incroyable. Vous voyez, vous qui aidez là, vous qui aidez les gens qui aident, moi je suis témoin, je suis un exemple vivant des gens qui ont aidé tellement. Et toujours on te crache dessus, il faut savoir qui tu dois aider. Dans la vie, on n'aide pas tout le monde, dans la vie on n'aide pas tout le monde. D'invention du pasteur, de ce qu'il va dire, ça va être intéressant vis-à-vis de la femme, écoutons déjà. L'argent est fini, tu t'es trompé. Voilà, c'est ça. Quand Joseph venait à la maison là, tu étais déjà mariée avec lui? Oui, on était mariés. On était mariés. Donc Joseph était comme ton protégé, c'est ça? Donc Joseph était à la maison, tu sentais déjà avec lui? C'est ça que je disais. Voilà, c'est ça. Voilà, écoutons. Voilà, c'est quand ça. Il était ton protégé là, tu sentais déjà avec lui? C'est ça. Mais c'est ça la vérité. Tu vois comment Joseph parle? C'est ça la vérité. À matin avec insolence. Voilà. C'est de ta faute. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi vous, les femmes là, vous aimez ce genre de pratique? Franchement. Pourquoi vous aimez ça? Honte, les femmes qui font ça, honte. Quelqu'un te prend comme sa femme, donc à cause de vous, on ne peut plus aider quelqu'un, on ne peut plus amener quelqu'un à la maison. Tu t'en vas chercher un jeune, tu viens, tu le mets dans ta maison, c'est fini, tu n'as plus de valeur. Vipère, ta femme va se coucher en bas de lui. Une vipère. C'est quelle histoire ça? C'est une vipère. La chair est faible. Jusqu'à tu parles comme ça pour dire que ouais, moi je suis une femme, j'ai besoin d'être entretenue et tout ça. Toi-même là, tu ne travailles pas. Tu es malade. Franchement. Tu n'as pas 10 doigts. Hein? Tu ne travailles pas. Merci, monsieur le pasteur. Hein? Merci, monsieur. Tu ne peux pas travailler? Merci, monsieur. Et là, les femmes, là, merci. Elles sont mariées. Elles sont avec leur mari. Quand le mari a des difficultés. Voilà les vraies femmes. Elles s'étonnent. Elles travaillent. Elles vont vendre poisson. Mmh. Elles vont vendre le riz. Elles vont vendre ceci et cela. Mmh. Tout ça pour s'occuper de leur mari. Toi-même, là, tu n'as pas de qualification, même tu es parti à l'école. Comme ça. Tu ne peux pas travailler. Donc, toi, tu es là. Et puis tu regardes comme un singe pour bondir de branche en branche. Tu vas regarder la branche où il y a beaucoup de fruits, tu vas bondir là-bas. Tu es resté avec ton mari, il avait l'argent, donc tu l'aimais, c'était la volonté de Dieu. Maintenant qu'il n'a plus l'argent, tu t'es trompé. Joseph que vous avez élevé qui était dans votre maison là, c'est lui maintenant, comme il a l'argent maintenant, c'est lui qui est la volonté de Dieu. Franchement, toutes les femmes qui sont remplies dans le monde là, on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Celui qui a été ton bienfaiteur, qui t'a hébergé. Mais toi, tu ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un éternellement. Tu as eu une formation. Tu es dans des grâces. On te dit, il faut te prendre un appartement. Il faut trouver ta propre maison. Tu vas te prendre en charge. C'est ça que tu utilises comme argument pour chercher sa femme et le mépriser. Pour dire que tu ne peux pas l'aider parce que tu ne peux pas ton mariage. Mariage avec qui? Avec sa femme. C'est pour ça que vous mourrez mal. Bien dit. Avec ce genre de comportement-là. C'est pour Bien ça que vous mourrez mal. Bien dit. Comment quelqu'un peut te prendre? Il va te faire voyager même, t'héberger, payer ton école. Et puis maintenant, quand tu sors, tu commences à travailler. Et que lui, il a des problèmes, tu lui arraches sa femme. Franchement. Et puis, tu ne veux même plus le sentir. Ingratitude. Et tu penses que Dieu va te bénir? Roland, il y a des pasteur. Gens comme ça, il y a des enfants comme ça. On prend, on élève, on éduque, on les trouve du travail même. Et puis quand tu as fini là, on trouve que tu es sorcier. Si tu veux réussir, si tu veux que tes jours se prolongent sur la terre, laisse la femme de ton ami là tranquille. Bien dit. Faut la Merci, laisser. Merci, monsieur le pasteur. Merci. Si tu veux pas là, va avec elle, il faut essayer. Tu vas voir ce que la vie va te donner. Mon frère Martin, je sais que ce n'est pas facile, c'est douloureux. Martin, écoute les conseils. Mais bon, ce n'est pas de ta faute ce qui arrive. Trop il faut chercher travail. Trop bon. Si tu as trouvé travail, tu vas voir ce qui va se passer après. Bien dit. Que Dieu vous bénisse. Les amis, il y a plusieurs leçons que nous tirerons de cette histoire. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas. On ne peut pas aider tout le monde, car la vie, dans la vie, tu vas rencontrer, par exemple, les personnes comme ce Joseph-là.
qui s'en foutent complètement de toi et qui n'en sont pas dans le même niveau d'amitié que toi. Donc, ce n'est pas du tout la peine de vouloir sauver tout le monde. Choisis les personnes pour lesquelles tu dois apporter ton aide si tu ne veux pas tomber dans de telles histoires. Qui te reviennent comme un boomerang, en fait. C'est-à-dire que tu aides quelqu'un qui devient une épine à ton pied qui vient, où tu ne peux même plus marcher, qui vient jusqu'à détruire ta famille, détruire ton foyer. Tu dois réfléchir qui c'est qui doit entrer chez toi. On ne fait pas entrer tout le monde chez soi. On ne fait pas entrer tout le monde chez soi. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Parce que voilà donc des cas. Voilà des cas palpables, des cas probants qui sont ignobles. Tu ne sais même pas quoi penser. Tu te dirais, c'est un film, ça ne se passe pas sur terre. Oui, ça se passe sur terre, car le cœur de l'homme est tortueux, dira la Bible. Voilà le cas de Joseph. Incroyable. Autre chose. Si on prend le cas de la femme, cette femme-là, vous les femmes, nous les femmes, franchement, vous qui agissez comme ça, un ami de ton mari vient à la maison et tu vas jusqu'à créer une relation avec, tu vas jusqu'à former carrément un couple avec cet ami-là, ça ne vous apportera pas bonheur, jamais. Encore pire, l'ami, tu permets à cet ami de marcher sur ton mari, d'en faire une poubelle. Comme là, visiblement, Martin est devenu une poubelle pour Joseph. Parce qu'il te connaît. Ça s'appelle des femmes insensées. C'est des femmes insensées qui font ça. C'est des femmes insensées qui font ça. Des femmes insensées. Donc, si tu es dans cette place, dans cette position de femme insensée, change. Change, parce que ça ne t'apportera pas bonheur. En plus, il y a 3 enfants. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Que tu es allé avec l'ami de l'ami de ton de leur papa. Enfin, c'est une histoire, c'est des femmes insensées qui font ça. C'est des femmes insensées. Alors vous les amis, quand on t'aide, tu n'as même pas besoin de justifier quoi que ce soit, soit il m'a mis dehors, etc. Il t'a mis dehors. On peut rester chez quelqu'un 2 ans et des poussières qui te donne un travail, te fait venir en France, te donne une formation, te donne un logement. Mais attends, tu peux participer quand même. Tu peux participer à laver les assiettes, enfin en Europe. On n'est pas en Afrique où on a des bonnes et des boys à tout va. En Europe, tu travailles tes mains, tu fais ta table, tu laves tes assiettes, tu te fais manger. Hein? Et toi qui arrives, tu dois également pouvoir participer à cette vie familiale. On ne doit pas tout te faire. Donc moi, je me pose la question qui me trotte dans l'esprit. Est-ce que Martin ne soupçonnait déjà pas quelque chose entre Joseph et sa femme, au point de ne pas dire à sa femme, ça reste un mystère. Peut-être que c'était une façon de les coincer, de mettre vraiment cette histoire à nu et au vu et au su de tout le monde. Après, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire et on pourra continuer à discuter sur les commentaires. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.